Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. J'entends mon prophète. Oui. J'entends dans mon esprit que je vais visiter les gens. Le Seigneur dit, il va visiter les gens. Parle. Dieu va visiter les gens. Vous allez comprendre tout à l'heure. Parle. Et ils vont comprendre. Dieu dit, il va visiter. Il va visiter. Ce qu'il veut visiter, c'est ceux qui auront écouté sa voix à travers les dons. J'entends les dons. Yeah, à travers les dons, j'entends les données en fait. Les données. J'entends dit quand on va dire donner, ceux qui auront obéi à ça là. Yeah. Le Seigneur n'aura pas à dire pendant ces 50 jours de jeûne, donnez-moi 1 million, donnez-moi 100 000, donnez-moi 10 000. Non. Mais j'attends dans mon esprit que c'est ceux-là que je vais visiter pendant ces 50 jours de jeûne. Ceux qui auront ce cœur libre à se donner, à faire un don, quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi, mais quelque chose, un don, quelque chose, pendant ces moments. C'est à ceux-là que le Seigneur veut visiter. Et il va les visiter encore plus que ceux. Donc tu vas demander au Seigneur que tu saisisses cette parole de connaissance, mais qui dispose ton cœur? Qui dispose ton cœur que ce don de libéralité se manifeste en toi tranquillement sans que quelqu'un ne te force Le Seigneur dispose le cœur.
Merci Saint-Esprit. OK, papa. Amen. Hallelujah. I don't know what's wrong with my camera. Let me get another one. Ça fait le coup, non? Oui, ça fait le coup. Also, I'm right here connected to YouTube. Don't sorry today. I don't know what happened, but I'm gonna get out. You can see me today. Okay. Voilà. Yeah. L'autre avec mon directeur for some reason, pour une raison que je ne mets à la ville bloquée que je ne me dis pas pourquoi. Mais en tout cas, soyez bénis. L'essentiel est que nous sommes connectés. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ah, quelqu'un, tu ne vas pas regretter ce temps que nous allons passer dans la présence de Dieu. Amen. Tu ne vas pas regretter. Alléluia. Amen. Vous savez, avant d'aller plus loin, je vais partager ce témoignage. Je n'ai pas prévu, mais à cause de ce qui s'est passé tout à l'heure spirituellement, je vais partager ce témoignage pour fortifier la foi de quelqu'un. Amen. Pour dire à quelqu'un de quoi, Dieu est au milieu de nous. Dieu est au milieu de nous et que les paroles que la servante de Dieu, Cunélis, vient de donner. Alléluia. Alléluia. Vous savez même, elle est rentrée en ligne, on n'a pas parlé. Des fois, je les appelle, je suis un peu occupé, madame n'est pas disponible, rentre en ligne pour commencer. Alléluia. Ce qui n'a pas été fait. Mais quand elle est rentrée en ligne, Dieu a commencé par agir. Amen. Oui, que tu ne sais pas ce que tu viens de faire. Oh, Jesus. Quand je vais maintenant parler là, comment tu vas comprendre? Amen. Pourquoi c'est bon d'être laissé, conduit par l'Esprit. Amen. Voilà, que le Saint-Esprit prenne contrôle de toutes choses. Et ce qui vient de passer pour moi à ce premier jour, le programme est déjà une réussite pour moi. Amen. Des vies seront transformées. Amen. Des vies seront visitées. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez ceci, ce que je veux partager avec vous comme témoignage. Je n'avais pas prévu de partager ce témoignage, mais c'était à cause de ce qui s'est passé tout à l'heure. Vous savez, la chanson Alléluia. Alléluia. Et quand elle est entrée, elle a commencé avec ceci. Yep. Tu te rappelles, voilà. C'est là que tu as déclenché cette chose. Amen. Vous savez, cette chanson, aussi vieille qu'elle est. Amen. J'ai conscience de ces chansons pour la première fois dans un songe. Wow. Yeah. I don't know. Faut, du moins, je dis que j'ai plus connaissance de ça parce que peut-être que pour moi, j'ai écouté ça pour la première fois dans le songe. Et c'est après le songe que je me suis levé, je suis allé sur Facebook, YouTube dans le temps, je l'ai tapé et puis j'ai vu Benny Hinn. Vous avez vu Benny Hinn chante beaucoup ce morceau. Donc, c'est depuis ce jour-là que j'ai pris conscience de ce morceau. C'est après que j'ai découvert que c'est une vieille chanson maintenant. Mm-hmm. Voilà, comme je le dis, moi, j'ai pris conscience de cette chanson, qu'une chanson telle existe dans le songe. J'ai cherché ça sur Facebook et j'ai trouvé.
Et depuis, cette chanson est restée comme, je peux le dire, une alliance entre moi et Dieu. Amen. Donc, pour moi, d'écouter cette chanson en ce début de programme, sans que je ne te le demande, c'est un signe fort pour moi. Amen. Merci, Seigneur. Et j'ai appris ce pour moi. J'ai vu une dame, et si je veux être beaucoup plus précise, c'est ma maman, ce n'est pas quelqu'un d'autre. J'ai vu ma maman dans le songe, allongée à terre, elle pleurait là. Elle pleurait, puis Dieu me dit, prie pour elle. Je demande à Dieu dans le songe, je prie pour quoi? Pourquoi elle pleure? Je vais prier pour laquelle est la requête? Pendant que j'étais dans la discussion avec Dieu, alors je vais écouter les anges chanter ce morceau, comme on le connaît là, comme on le connaît ça. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Donc, j'ai saisi ma maman à terre, je l'ai soulevée de la terre et j'ai commencé à chanter la chanson que j'écoutais venant du ciel. Tout ce que j'ai fait, je reprenais la chanson sonore que j'ai écoutée. Alors, je chantais aussi dans ses oreilles, je chantais, je chantais, je chantais, je chantais. Et puis le son était parti. Alors, le lendemain, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé le pays. J'appelle ma grand-soeur, si tout va bien, ou à maman, ou à papa. Il dit, qui t'a appelé? Il dit, personne ne m'a appelé, mais qu'est-ce qui se passe? Où est maman? Alors, ma grand-sœur va me dire, je toi l'enfant là. Ma maman était dans le coma plus de 4 jours. Wow. Là, donc, on me cachait, c'est comme que je suis seul ici. Il me cachait en fait la réalité des choses. Donc, pour une petite personne m'a appelé, mais où est maman? Dit que, alors maintenant, ils sont forcés, vont me dire ah, que maman a fait une crise, elle est dans le coma depuis plus de 4 jours maintenant, elle est à l'hôpital. Alors j'ai compris pourquoi elle pleurait. Vous savez, très souvent, quand quelqu'un meurt, nous disons que la personne maintenant est dans son lieu de repos, là où elle est. Mais non, ce n'est pas forcément vrai. J'ai vu ma maman qui pleurait, elle pleurait ses enfants. Littéralement, elle était morte. C'est son âme qui pleurait. Elle pleurait ses enfants. Elle pleurait ses enfants. Alors j'ai dit à ma grand-sœur, va à l'hôpital et place le téléphone sur le lit, sur son lit d'hôpital, là où il est dans le coma. Place seulement le téléphone sur le lit. Et je vais prier. Il dit, ah bon, dit oui. Donc, on a raccroché le téléphone. Ma grand-sœur s'est rendue à l'hôpital. Elle m'a rappelé que je suis arrivé à l'hôpital. Je fais quoi? Je dis, dépose le téléphone sur le lit. Et tout ce que j'ai fait, j'ai seulement chanté Alléluia. Wow. Alléluia. Oh, j'ai chanté ce que j'ai vu dans le songe. Yep. Je vous dis, ma maman est sortie du coma. Amen. Hey, le brocandé. Amen. 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 Est sortie du coma, guérie, Amen. délivrée. Amen. Et c'est depuis ce jour que j'ai appris cette chanson. Je dirais, écoutez, je vais voilà, c'est le premier jour. Nous introduisons ainsi le programme pour que vous compreniez que puisque Dieu a décidé d'orienter le programme ainsi, je parle ainsi pour que vous compreniez quelque chose. Ça. Venu de Dieu, inspiré de Dieu. Amen. Tout ce que nous voulons, nous allons faire ce premier jour, ça me suffit largement. Amen. Alléluia. Je dirais, vous savez, étant de Dieu, ou bien quand tu fais certaines choses, il y a des dates que tu ne peux pas oublier. Il y a des choses que tu ne peux pas oublier. La première fois que je dirais que j'ai été invité officiellement pour aller prêcher dans une église. Donc, tu ne peux pas oublier des choses comme ça. Tu vois, la première fois où j'ai été invité, en mai 2015, j'étais à Maryland, j'étais invité. Voilà, j'étais invité. C'est la première fois où un pasteur m'a écrit, je voilà. Donc, pour voir des choses comme ça, tu peux oublier. Alors, mon ami qui était là-bas à Kansas, Missouri,
Je disais que si Dieu m'a appelé comme défi, quand je vais arriver là-bas, on va chanter ce morceau. Oh, waouh! Et puis, j'ai partagé le témoignage avec elle comme ça. Il dit, ah bon, il dit, ok. On a parlé au moins 2 mois avant mon arrivée dans l'État. Pour dire qu'elle a oublié, moi-même, j'ai oublié que j'avais lancé un défi comme ça. Donc, le programme était le nom, la date est arrivée, j'ai pris l'avion, était arrivé. Dimanche, on était à l'église. Et puis, le pasteur était arrivé. Le pasteur lui-même, il chante avec le groupe musical. Donc, quand le pasteur, il est monté sur l'autel, la chanson qu'elle a lancée, je dis, l'a mis à sauter. Elle a crié, Jésus! Elle s'est rappelée de ce que j'avais dit. Que si Dieu m'a envoyé là-bas, quand je vais arriver, on va chanter ce morceau. C'est-à-dire, on a commencé le programme avec cette chanson et le ciel était ouvert. Amen. Alléluia. Amen. Le ciel était ouvert. Dieu nous a visités, Dieu nous a fait du bien. Amen. 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 J'ai 1000 témoignages pour cette chanson. Comme je le dis, c'est une alliance entre moi et Dieu. L'emplacement de l'église, c'est le dernier témoignage que je vais donner et nous allons revenir sur notre programme. Alors, on parlera de ceux qui nous ont visités à l'église. Ils connaissent bien. Esther connaît, Mathieu connaît. Qui d'autre l'a connu? Le premier emplacement de l'église. Ah non. Anyway. Et on prie Dieu pour un endroit. Parce que là où on était à l'OSB, c'est seulement dimanche qu'on a fait. Donc, dans la semaine, il y a tout se passe là-bas. Seigneur, nous voulons une place pour ton nom. On ne peut pas venir mélanger tous les esprits. Et puis, une nuit, on était parti à un programme, moi, madame. En masse comme ça, en masse 2024. Et puis, lors du programme, on a lancé ce morceau. Alléluia. C'était l'atmosphère était chargée. Et puis, on a l'homme de Dieu qui faisait le ministère, arrivé à un moment, puis là, il s'est tourné et dit, Alléluia. Et quand j'ai écouté là, je me suis sorti, je suis venu allonger sur l'autel. Madame me regarde comme ça. Je suis venu allonger à terre. J'ai adoré Dieu. Et j'ai béni le nom de Dieu. Quand on a fini, je me suis levé, je suis revenu. Et je dis, madame, tu vas voir. Je ne sais pas ce que Dieu va faire. Hein. Mais Dieu, une porte vient s'ouvrir dans votre vie. Amen. Tu verras ce que Dieu va faire dans la suite des temps. Il dit, ah bon? Il dit, oui, attends. Mardi, mercredi, le lendemain. L'endroit où nous sommes là, le monsieur m'a appelé. Are you looking for places? I said, yeah. Long story short, on a eu ce lieu. On a fait notre premier culte le premier dimanche du mois d'avril 2023. Alléluia. Amen. Amen. On a fait notre premier culte en ce lieu. Ouais. T'as dit à madame, Dieu vient de faire quelque chose, je ne sais pas, il ne m'a pas dit, mais il y a une bonne nouvelle qui arrive. Amen. Je veux dire à cause de comment est-ce que ce programme, amen. Vous voyez que j'ai raison de partager ce témoignage avec vous à cause de la chanson que la servante de l'Éternel vient de chanter. Je ne l'ai pas programmé pour commencer la soirée d'aujourd'hui. Non. C'est un signe, c'est-à-dire, Vous pouvez ne pas comprendre, mais moi, je sais que c'est un signe et que ce programme est déjà une réussite. Amen, 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 amen. Pour amen, vous qui allez observer ces 50 jours, vous n'allez pas oublier ces 50 jours dans votre vie.
les portes vont s'ouvrir, des situations vont Amen. 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 Vous allez rester le reste de votre vie pour vous souvenir de ce programme de 50 jours. Amen. Amen. Si Dieu a permis pour me donner ce signe, je dis ceci avec vous comme une prophétie sur votre vie. Amen. 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 Alléluia. Les ministères vont reprendre vie. Amen. Amen. Nom les de Jésus. Grâces Amen. Nouvelles vont partager. Amen. Ah, les portes vont s'ouvrir. Nom de Jésus. Merci, la grâce de vie sera votre partage en ce lieu. Amen. Une onction te sera communiquée pour la suite des temps. Amen. 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 Dieu a lancé ce signe pour nous montrer qu'il est avec nous dans ce programme. Amen. Yes. Alléluia. C'est pourquoi toi-même, tu vas comprendre ce qui vient de ce. Tu n'as pas compris ce que tu as fait, mais tu vas comprendre après que je peux. Amen, papa. Alléluia. Amen. Quand je veux dire à quelqu'un, dispose ton esprit. Dispose ton esprit. Dieu est là. Amen. Les promotions vous seront accordées. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dieu, tu nous as inspirés à faire ce programme 50 jours avant la Pentecôte. Et sur ceci, je veux maintenant rentrer dans le vif du sujet. Il y a beaucoup de choses à dire. Nous introduisons. Vous savez, 50 jours, 50 ans, l'année de jubilé dans la Bible. Vous savez que même dans le monde, nous fêtons 50 ans de jubilé. Amen. Ça dit 50 ans, c'est un nombre particulier. Et dans les choses de la Bible, 50 ans de jubilé que Dieu a ordonné à son peuple de fêter, la particularité de ces 50 ans, qui retombe sur 50 jours, qui retombe sur 50 mois, parce que l'essentiel est que ce temps se retrouve dans ce que tu fais. Amen. Alléluia. Amen. Pour dire que quoi? Que quand 5 se retrouvent dans ce que tu fais, nous connaissons toujours le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Amen. Yes. Quelqu'un va expérimenter une grâce extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Amen. Va expérimenter une grâce extraordinaire dans ces 50 jours. Alors, je remonte alors au nombre 50. 50, les années de jubilé, cette année est particulière. Dans le sens que quoi? C'est une année où, quand l'année 50 est arrivée, c'est une année où les dettes sont remises. Alléluia. Mmh. C'est une année, par exemple, dans le temps, peut-être que tu as un mortgage de 30 ans. Et que tu as la maison peut-être pour 2 ans, 3 ans, 10 ans. Mais quand ta 10e année tombe sur les 50 ans, les dettes de mortgage de 20 ans te sont remises. Vous avez dans la Bible dit que si un frère israélite a une dette envers son frère, on peut le prendre comme esclave. Ou bien, on peut te prendre comme esclave. Et tu vas travailler. C'est selon la dette. Tu vas travailler 6 ans, le 7e année. On te libère. Mais après ça, on te prend encore comme esclave. La particularité de l'année des années de 50 ans de jubilé, si tu as une dette peut-être, où tu es supposé être esclave chez ton frère pendant 15 ans. Mais si tu t'as pris pour esclave, tu as travaillé pour 1 an, 2 ans, et que la 3e année tombe sur le 50 ans de jubilé, vous comprenez? De quoi vous suivez, non? Oui. Si les 3 ans tombent sur le 50 ans de jubilé, c'est dès 12 ans de dettes, là, is paid off. Tout est annulé. C'est une année où Dieu décide de remettre tout le tambour à zéro pour commencer une nouvelle page avec ses enfants. Les 50 ans de jubilé sont très particuliers
pour les Juifs. C'est-à-dire c'est une année de délivrance pour tout le peuple. Ce n'est pas une visitation comme à la piscine de Bethesda, où c'est seulement une seule personne qui est guérie, une seule personne qui est bénie, une seule personne qui rend témoignage. Mais c'est une année où tout le peuple d'Israël, Dieu décide de les pardonner. Dieu décide de les visiter. Dieu décide de leur donner, d'écrire une nouvelle page avec eux. Amen. Donc, vous voyez pourquoi ce n'est pas gratuit ce qui s'est passé dans Acte 2. Amen. Ce n'est pas gratuit. Amen. Si Dieu a décidé de visiter son peuple le jour de la Pentecôte, quand vous calculez de la résurrection à la descente du Saint-Esprit, ça fait les 50 jours. C'est un chiffre particulier où tu peux rentrer dans une alliance avec Dieu. C'est-à-dire, tu peux avoir une requête où tu décides à partir sur 50 jours ou bien sur 5 jours. Je vais présenter cette requête devant Dieu. Tu seras surpris du miracle que Dieu va opérer dans ta vie. Amen. Alléluia. Yes. Tu seras surpris de ce que Dieu va faire. Si tu peux être sérieux avec toi, ou tu te lèves, si tu fais une présence du Saint-Esprit, je donne un exemple, hein, de minuit à une, de minuit à deux heures, tu respectes ceci. Tu fais ça premier jour de pendant ces cas. Tu vas écouter hier un announcement. Tu vas écouter une nouvelle. Amen. Une bonne nouvelle. Il y a des principes, il y a des choses spirituelles. Quand tu mets ceci en application, toi-même tu seras surpris. Alléluia. Tu as un problème avec l'immigration et tu te lèves. C'est parce que nous ne prions pas. On ne connaît pas les choses de Dieu. Alléluia. L'immigration peut t'envoyer une lettre de déportation. Et tu prends la lettre. Le roi, qu'on appelle, quel roi là? On lui a envoyé une lettre. Il est parti présenter la lettre à Dieu. Tu présentes la lettre là devant du Seigneur. Qu'est-ce que tu changes cette situation? Ézéchias, le roi Ézéchias. Voilà. Qu'on a envoyé une lettre. Que quoi, nous venons contre toi. La Bible, il n'est pas qui présenter la lettre à Dieu. Seulement que la Bible n'était pas précise sur combien de jours lui il a fait ça. Vous savez, les choses de la Bible, je ne serais pas surpris s'il a fait ceci pendant 50 jours. Je ne serais pas surpris. Parce que Dieu a opéré une délivrance. Amen. Dieu a envoyé la confusion dans le camp de l'ennemi. Jusque-là, je ne fais que parler des 50 jours. Dans peu de temps, nous allons parler de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Dieu de visiter son peuple. Nous, très souvent, nous célébrons la Pentecôte, mais nous n'avons aucune connaissance spirituelle des choses qui sont derrière. Alléluia. Amen. Dans les 50 jours, je te dis, sois là, discipline-toi, sois là, sois régulier. Amen. Amen. Sois là présent. Viens présenter ta vie devant Dieu. Seigneur, visite-moi dans ces 50 jours. Tu seras surpris. 50 ans de jubilé, Dieu change l'histoire radicalement de son peuple. Les dettes sont remises. Tu es acquitté. Quand les 50 ans tombent sur. Quand tes dettes tombent sur les 50, la 50e année. Dieu décide de te visiter, de dépasser tes dettes. Même les péchés que le peuple avait contre Dieu, Dieu décide d'éponger, de tout éponger pour dire que quoi? Nous, c'est pourquoi les Juifs ne gardent pas avec les 50 ans de jubilé. Vous savez, beaucoup de choses peuvent se passer dans un an, dans une année, dans deux ans, dans 25 ans. 50 ans, c'est une autre dimension.
Donc, quelque part, ce que nous fêtons aujourd'hui comme Pentecôte, je crois que même la Pentecôte, voilà, acte 2, la Bible dit le jour de la Pentecôte, non? La Pentecôte était déjà une fête qu'on célébrait. Aujourd'hui, le nom donne tendance comme si l'expérience des apôtres, c'est ce qu'on appelle la Pentecôte. Vous voyez? Il y a la dénomination qui porte ce nom-là, le feu de la Pentecôte, l'église de la Pentecôte. Mais l'expérience là n'a rien à voir en fait avec le nom-là. Ceux qui fêtaient la Pentecôte au dehors n'ont pas reçu le feu. Alléluia. Maintenant, je vais parler du feu. Amen. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous là dans le même lieu. Vous voyez, le jour de la Pentecôte était déjà. Ils ne savaient pas que dans quelques instants, quelque chose va arriver. Donc, le jour de la Pentecôte était là. Les gens étaient dehors pour fêter. Les gens, voilà, ça criait par ici. Ça sautait par là. Ça préparait par là. Ça danse par ici. Donc, les gens étaient dehors pour célébrer la Pentecôte comme habituellement. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 2 maintenant dit tout à coup. Quand tout à coup se perd dans la vie de quelqu'un au son de ma voix dans le nom puissant de Jésus. Jésus, amen. Un miracle arrive dans ton âme. Amen. Un déblocage soudain, un tout à coup. C'est-à-dire, 5 secondes même avant l'éruption du feu sur leur vie, ils n'avaient aucune idée. Il n'y avait aucune prophétie qui pouvait même les orienter que quoi? En ce jour, l'Éternel va vous visiter. 2 secondes avant que le feu ne descende, ils n'avaient aucune idée que quoi? Le ciel était d'accord de les visiter le jour-là. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alléluia. Un tout à coup, un soudain, un brusquement. Alléluia. Un brusquement, et puis quoi? Le ciel est descendu. Brusquement, alléluia. La maladie a quitté ton corps. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit descend. Alléluia. Amen. Et le feu de l'Esprit visite quelqu'un ce soir dans le nom puissant de Jésus. Amen. Vous savez, le feu qui va descendre dans ces 50 jours, tous on n'est pas apôtres, tous on n'est pas appelés à être prophètes, tous on ne serait pas pasteurs, tous on ne serait pas docteurs. Imaginez-vous, les 120 qui étaient dans la chambre haute, tous ont reçu le feu, mais tous n'étaient pas apôtres. Alléluia. Amen. Amen. Mais le feu est réservé pour tout enfant de Dieu. Amen. Et comme on trouve acte 2, le verset 37. Okay. Acte 2, le verset 37. La Bible dit ceci. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement troublé et il dit à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous pour recevoir ce même feu? Que ferons-nous pour être sauvés? Que ferons-nous pour être visités par Dieu? Que ferons-nous pour que le ciel se souvienne de nous? Que ferons-nous? Alléluia. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Que quelqu'un dispose son cœur. Alléluia. Que quelqu'un se repente. Que quelqu'un confesse ses péchés. Celui qui confesse ses péchés et les déprend, prend la résolution de les délaisser. Il dit à ce dernier, la miséricorde frappera à ta porte. Alléluia.
Amen. Le jour, alléluia, parle à Dieu, confesse tes péchés, parle devant. Joël dit, le temps est arrivé, nous devons déchirer nos cœurs, dans nos vêtements. C'est-à-dire, Joël appelle à une sincérité, à une repentance sincère avec Dieu. Le psalmiste a dit, voici les actes que j'ai témoigné, que j'ai posés qui témoignent contre moi. Quels sont les actes qui témoignent contre toi? Que le diable peut utiliser contre toi. Jacques dit, si déjà ton cœur te juge, le petit cœur de ton cœur, de ta conscience te juge sur des actes que tu as posés, ne néglige pas ces choses, sinon tu risques de peine d'endurcir ton cœur. Si déjà ton cœur te juge, à combien plus forte raison le Dieu qui est au ciel? Si déjà ton petit cœur, ta conscience te gêne sur des choses que tu fais, ton pasteur n'est pas là-bas, ton mari n'est pas là, ta femme n'est pas là, ton ami n'est pas là. Mais quand tu fais, il y a ta conscience qui te reproche quelque chose. Ta conscience te reproche, n'attends pas un prophète de venir révéler ce que tu fais. Alléluia. Amen. Amen. Si ta conscience te reproche quelque chose, que l'acte que tu fais n'est pas digne de toi, d'une fille de Dieu, d'un fils de Dieu, quitte ça, quitte ça, quitte ça. Alors, Pierre dit, pour recevoir ce même don, pour recevoir ce même Dieu, pour recevoir le Saint-Esprit, il dit, repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus. Accepte Jésus. Accepte Jésus comme ton sauveur et Seigneur. Le verset 39 maintenant qui m'intéresse, il dit, car la promesse est aussi pour vous. Ce n'est pas pour nous seulement les apôtres. Ce n'est pas seulement pour nous les prophètes. Le feu du Saint-Esprit, la promesse de l'Esprit, c'est aussi à vous. Alléluia. Il dit, car la promesse est pour vous. Écoutez même, pour vos enfants. Pour vos enfants. Et aussi au grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appelera. Pierre parlait, Pierre prophétisait sur toi et sur moi. Parce que quand Pierre parlait de ces choses, sûrement quoi, il y avait des murmures dans la foule. Que non, voilà, vous avez reçu le Saint-Esprit parce que vous autres, vous avez marché avec Jésus. Vous avez vu Jésus. Jésus vous a impacté. Jésus a imposé les mains. Vous avez fait 3 ans avec Jésus. Donc, on comprend, il y a de quoi normal croire que le Saint-Esprit visite. Mais Paul dit, Pierre dit non. Vous n'avez rien compris. Alléluia. Pierre dit non. Cette promesse est aussi pour vous. Ce n'est pas seulement à nous seulement. Amen. Aujourd'hui, beaucoup pensent quoi? La promesse du Saint-Esprit, c'est réservé seulement au pasteur. Et ils pensent quoi? La promesse du Saint-Esprit, c'est seulement pour les prophètes. Alléluia. Et ils perdent de vue quand les prophètes commencent par prophétiser. Paul dit qu'il est possible que vous tous ici vous prophétisez. La grâce prophétique peut tomber sur tout le monde ici présent au son de ma voix. Alléluia. Néhémie a parlé à un prophète dans la Bible. Il dit, tu es prophète, mais ce que tu dis là ne vient pas de Dieu. Vous dites quoi? Ce qui t'amène à prophétiser, moi aussi j'ai ça. Alléluia. Amen. J'ai moi aussi. J'ai ça. J'ai ça. Autrement dit, moi aussi j'ai le Saint-Esprit. Amen. Voilà, prophète. Si tu me manges, je vais savoir. Le don de discernement. La promesse du Saint-Esprit, c'est aussi à Pierre dit, les promesses là, ce n'est pas seulement à nous les apôtres. Alléluia. Donc, dans ces 50 jours, tu vas venir ici à l'Esprit, que quoi, là, ce qu'ils ont, moi aussi, je veux faire l'expérience. Amen. Ah, il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel de marcher avec l'Esprit. Il n'y a rien de tel d'être conduit par le Saint-Esprit. Il n'y a rien de tel que le Saint-Esprit te révèle.
Vous savez, quand nous donnons notre vie à Jésus, la Bible nous appelle enfants de, enfant de Dieu. Oh, quel jour! Alléluia! Et plus loin, la Bible, ceux qui se laissent conduire par cet esprit qu'ils ont reçu sont désormais appelés les fils de Dieu. Alléluia! Dans ces 50 jours, quelqu'un va quitter l'étape d'enfant de Dieu pour être appelé le fils ou bien fille de Dieu. De Dieu. Yeah. Amen. C'est bon, tu es reçu, je dis, c'est très bon. Tu es enfant de Dieu. Gloire à Jésus, alléluia. Il y a une étape supérieure. La Bible dit, ceux qui se laissent conduire par l'esprit sont appelés fils de Dieu. Alléluia. Ils se laissent conduire, orienter, diriger, inspiré par l'esprit, influencé par l'esprit, sont appelés fils de Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un va retrouver son identité. Amen. Alléluia. Quelqu'un va retrouver son identité. Amen. Il y a longtemps qu'on t'appelle fils, enfant de Dieu. Dans ces 50 jours, ton nom va changer, ton identité va changer. Amen. Spirituel comme physique, quelque chose va changer dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Quelque chose va changer dans ta vie. Dans ces 50 jours, le niveau spirituel de quelqu'un va augmenter. Amen. Quelqu'un qui quittera d'une position A à une position C spirituellement. Amen. Alléluia. Quelqu'un quittera d'une position C à une position G spirituellement. Amen. Il y a une élévation spirituelle qui va arriver dans ton âme. Oh. La main du Saint-Esprit va reposer sur quelqu'un. Dieu te saisira par sa main et te conduira dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ah, dans ces 50 jours, il y a un dépôt spirituel que l'Éternel va t'impacter. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un dépôt spirituel que l'Éternel va laisser dans ton âme. Amen. Il y a un feu, c'est un feu que l'Éternel va activer dans ton âme. Nom de Jésus. L'Éternel va réveiller l'esprit de quelqu'un. Amen. Dans Agée 1, le verset 14, la Bible dit que l'Éternel réveilla l'esprit de Josué, le sacrificateur, de Zerubbabel, le gouverneur, et tout le reste du peuple. Je prie en ce jour que l'Éternel réveille l'esprit de quelqu'un dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel réveille son esprit au-dedans de toi. Amen. Que l'Éternel réveille son esprit au-dedans de toi. Amen. Que l'Éternel active une grâce nouvelle au-dedans de toi. Amen. Qu'un feu nouvel soit relâché dans le nom de Jésus. Amen. Cette promesse de l'Esprit est aussi pour vous. Mm-hmm. Alléluia. Mm-hmm. Est aussi pour vous. Et guess what? Oh, même à vos enfants, cette promesse est aussi pour vous. Est aussi pour vos enfants. Est aussi pour tes parents. Alléluia. C'est aussi pour vous. C'est aussi pour ta femme. C'est aussi pour tes hommes. Cette promesse de recevoir l'Esprit, c'est aussi pour vous. Et au grand nombre qui seront appelés, cette promesse est aussi pour eux. Alléluia. Bien-aimés, nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de développer cette intimité avec le Saint-Esprit. Quelqu'un me trouve Romains 1, le verset 5. Vous allez voir que quoi? Même Jésus ne peut pas les sentir. Alléluia. Même Jésus ne fait pas l'exception du don de l'Esprit. C'est Romains 1, le verset 4. La Bible dit est déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa puissance de résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Le fait qu'il est déclaré fils de Dieu, la Bible nous dit c'est par l'esprit de sainteté qu'il a reçu d'entre les morts.
Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ceci. Dans la Bible, acte 13, il y a un prophète là-bas. On appelle Bar Jésus, autrement dit, on peut couper Jésus. Mais la Bible précise que le genre de quoi, c'est un faux prophète. Un prophète qu'on appelle Jésus. Si tu lis la généalogie, même dans ce monde courant, Jésus, le nom Jésus n'a rien de particulier. Amen. Le nom. Des fois, les gens pensent que c'est ce nom-là. Et surtout en Afrique, nous vénérons ce nom. C'est-à-dire, on a une révérence par rapport à ce nom. Raison pour laquelle en Afrique, on ne peut pas ce nom Jésus. Parce que pour nous, ce nom est sacré. Mais c'est ici aux États-Unis que j'ai découvert pour la première fois que les gens, on appelle quelqu'un Jésus. La première fois que j'étais choqué. Je dis, what? Sacrilège. Mais j'ai découvert quoi? Tu sais l'espagnol. On les appelle Jésus. Jésus, c'est Jésus. Tu mets ton enfant au monde, tu lui donnes le nom de Jésus. Comme nous prenons les Moïse, comme nous prenons Jean. Voilà, et les gens, voilà, ils sont humains comme nous. Mais Jésus, en Afrique, ce nom est sacré. Mais, je veux dire à quelqu'un, le nom J-E-S-U-S, là, ça n'a rien de particulier. Ce qui fait ce nom particulier, Jésus dont il est question, notre Sauveur et Seigneur, ce qui fait la force de ce nom, l'Esprit qui est derrière ce nom. Uh-huh. Alléluia. Oui. La Bible dit dans Jean 3, seul à Jésus, l'Esprit a été accordé sa mesure. Amen. C'est le Saint-Esprit qui rend ce nom glorieux. Mm-hmm. Alléluia. J'ai connu quelqu'un qu'on appelle Jésus. Il est pédé. On appelle Jésus, il est pédé. Ici en Amérique. Ouais, non. On appelle Jésus, mais il est pédé. Il est prophète. Un prophète nommé Jésus. Alors, la particularité de notre. Quand je dis Jésus, c'est dans le nom de Jésus. Quand je dis le Jésus dont il est question, sa particularité, c'est ce que Romain nous dit ici. Et lui-même, il a été décrit fils de Jésus par l'esprit de sainteté qu'il a ressuscité dans le monde. Donc, ce qui fait la particularité de ce nom, c'est l'Esprit qui est derrière. Et nous serons dans ce temps, dans ces grands jours, pour chercher la face de Dieu. Pour que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Amen. Pierre a eu la révélation plus tard, après que Jésus ait été dans Acte 10, le verset 38. Il dit, c'est Jésus que vous avez vu en ce lieu, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, purifiant les lépreux. Il dit, c'est grâce à l'esprit que son père, vous avez vu combien de fois son père a au moins de son esprit et de sa force. Pourtant, quand il marchait avec Jésus, pendant les 3 ans, il se posait la question de Jésus. Qui il est ce temps? Cet homme est mystérieux. Au point où, dans la barque, quand la mer s'est levée contre eux, Jésus s'est levé, il a menacé la mer, il a menacé. Au point où ils se sont posé la question, qui est même cette personne qui même obéit sur le vent et la mer? Je déclenche la vie de quelqu'un au son de ma voix. Après ces 50 jours, le vent et la mer ont obéi dans le nom puissant de Jésus. Tu parleras et ils vont obéir. Tu parleras et ils vont écouter. Amen. Tu déclareras et ils vont se plier à ta voix. Amen. Amen. N'oubliez pas cette année pour nous une année de prodiges. Vous allez expérimenter des prodiges après ce temps de prière, après ce temps de rencontre, après ce temps de jeûne et prière. Tout ce que je te demande, prends ce temps au sud et cherche la face de Dieu. Les 120, eux, tous sans exception, ont été visités. Alléluia. Ont été visités.
Parce que quoi? Ils étaient parmi eux. Tu seras visité. Alléluia. Tu seras visité. Alléluia. Le Saint-Esprit portera, déclenchera la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. L'onction qui va descendre fera de quelqu'un ici. Alléluia. Un apôtre pour Dieu. Gloire à Jésus. Un prophète pour Dieu. Même si le ministère est mort, le ministère va reprendre vie dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le, la gloire qui va descendre dans ce lieu va susciter des millionnaires en ce lieu. Vous savez, en tant que prophète, j'étais j'ai eu une vision. Et j'ai vu un long chiffre. J'ai vu un long chiffre au terme de 18 millions de dollars. Oh. Hey, Seigneur. Je vous dis ces choses aujourd'hui. Et Dieu dit que je vais susciter des millionnaires en dollars en ce lieu. Amen. Reçois. Alléluia. Amen. Amen. Va susciter des millionnaires en ce lieu. Amen. Yes. Dieu va susciter des milliardaires en ce lieu. Amen. 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 Merci, Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vais partager ceci avec vous aujourd'hui. Des fois, quand nous gardons silence, nous voyons. Vous voyez, vous savez, les 30 jours qu'on a fini en janvier. Hein? Le dernier jour qu'on a fini, les 30 jours, le mercredi, là, le matin, avant qu'on se connaisse, c'est seulement que j'ai pas dit. J'ai gardé silence. Et jusqu'alors, je prie pour le peuple de Dieu. Et j'ai vu une vision avant qu'on se connaisse, le dernier jour, et je sais que bon, c'était un signe pour moi que Dieu nous a dit que Dieu a déversé une grâce. J'ai vu devant ma maison ici, ils sont venus livrer Bugatti. Je ne sais pas qui connaît Bugatti. Si tu es fan de voiture, tu dois connaître Bugatti. Alléluia. Je suis levé, je suis allé sur Google pour checker le moins cher de Bugatti, c'est pas moins de 3 millions. Une fois, le moins cher. Mais genre le standard. Ce n'est pas moins de 3 millions. C'est vrai. Wow. Les Bugatti sont dans l'ordre de 10 millions, 15 millions, 20 millions. Une seule voiture que vous voyez ici. Il y a voiture de voiture. Oh, yeah. Oh. Alléluia. Ils ont livré un Rolls Royce confectionné en 2024. Qu'on a livré à 30 millions de dollars. Wow. Parce que quand nous produisons là. Et ça fait 3 fois que le Kirill m'a monté cette vision. Je vous dis ceci ou ceci. Il y a que le feu qui va descendre dans ce lieu va susciter des millionnaires au milieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Va susciter des gens pour leur business. Amen. Amen. Dieu va bénir les œuvres de tes mains. Amen. Reçois. Amen. Reçois. Ah, maman, qu'une liste que Dieu te bénisse encore. Amen. Amen. Ce qui s'est passé tout à l'heure, le ciel est ouvert. Amen, au nom de Jésus. Amen. Le ciel est ouvert. Alléluia. Le Amen. Ciel est ouvert. Amen. Dieu va visiter son peuple. Amen. Alléluia. Amen. Le feu qui va descendre en ce lieu brisera le pouvoir de la mort dans ta famille, dans le nom puissant de Jésus. Nom de Jésus.
renversera le pouvoir de la mort de ta famille dans le nom puissant de Jésus. Il y a un feu de consolation que le Seigneur va envoyer en ce lieu pour cette fin du jour. Alléluia. Paul dit, aucun de vous ne périra. Au nom de Jésus. Déclare sur la vie de quelqu'un en ce lieu. Makindo Osegede. Charagadou Sekete Lemane Lekuma. Mando Sikete Lekede Lemane Sakata Lamana. Je brise le pouvoir de la mort. Au nom de Jésus. Je brise le pouvoir de la mort. Nom puissant de Jésus. Je brise le pouvoir de la mort. Tu ne peux pas venir prêcher, à prier, faire quoi faire de ceci. Non. Et aller pleurer de nouveau. Non. Alléluia. Ce que je te demande, honnête-toi. Honnête-toi. Et les autres comme la voix pour prier. Alléluia. Amen. Jésus dit, je n'ai perdu aucune des brebis que tu m'as fait. Si Jésus a pu confesser, si Paul a pu dire, nous allons confesser ce verset en ce lieu. Alléluia. Nous allons confesser. Écoutez le témoignage. Quand je dis ceci, j'ai écouté le témoignage d'un évangéliste dans les années lointaines. On l'avait reçu, l'homme de Dieu a prêché, il a libéré la parole, il dit maintenant, comme en tant qu'évangéliste, je vais prier pour les malades. Il a dit, si tu es malade, lève-toi, je vais prier, personne n'est levé. Bon, il se dit peut-être que les gens cachent leur maladie. Donc, il dit, j'ai dit, ne sais pas prier. Si tu es là où tu es là, mets-toi, je prier. L'homme de Dieu a libéré. Il dit maintenant, check your body. Si tu es guéri, lève-toi pour témoigner pour Dieu. Vous connaissez. Il dit, bizarre ici, non. Et puis le pasteur a pris le micro, il dit, ici dans mon église, personne ne tombe malade. Alléluia. L'homme de Dieu dit, ici dans mon église, non, eux tous là, que tu vois, personne n'est malade. Alléluia. Il y a la grâce. Alléluia. S'il y a une grâce en ce lieu, personne ne meurt en ce lieu. Alléluia. Je peux vous dire amen. Non. Personne ne meurt en ce lieu. Personne. S'il y a une grâce en ce lieu, personne ne meurt en ce lieu. La grâce de vie est notre pourquoi dans ce lieu. Alléluia. Personne ne meurt en ce lieu. L'homme de Dieu a dit à l'invité, il dit, ici dans mon église, personne ne tombe malade. Personne ne tombe malade. Je déclare votre alliance avec la mort. C'est la mort de Jésus. Amen. Votre alliance avec la mort est renversée dans le Christ. Amen. J'ai partagé avec vous en ce lieu le jeune frère qui était allé avec moi, qui était quoi, pendant 13 ans, chaque année, on enterrait des gens. On ne faisait que enterrer. Mais il est arrivé, il dit, frère, j'ai écouté, je n'ai rien te promis, mais participe seulement à une prière. Un an, jour pour jour, il a témoigné. Cette année, on n'a pas entré, pas même un cousin, pas même pas une fille, pas même pas un. On a, il dit, personne ne meurt dans ma famille. Jésus est capable d'arrêter le pouvoir de la mort. Amen. Amen. Alléluia. Que le pouvoir de la mort soit arrêté dans ta famille, dans le puissant de Jésus. Amen. Que le pouvoir de la mort soit arrêté dans le nom puissant de Jésus. Amen. Le feu qui sera relâché en ce lieu. Alléluia. Amen. La vie sera attachée en ce feu.
Amen. La grâce de vie. La grâce de vie. Vous savez, il n'y a rien de tel comme la grâce de vie. Hein. Aucun. Il me dit, même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Amen. Il y a de l'espoir. Amen. Alléluia. Dans ton vie, il y a de l'espoir. Jésus ne veut pas le mort de ses brebis. La Bible dit dans Matthieu 10, en quittant, il a appelé ses disciples et il les a donné le pouvoir. Il dit, allez, purifiez les lépreux, guérissez les malades. Il dit, s'il faut ressusciter les morts. Il dit, si la personne, non, ce n'est pas ton temps. Reviens à la vie. Et il est question de la personne de l'utilisation, ne serait-ce que ce dimanche, parce que nous venons de célébrer. Puisse résumer de nous dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. En quittant de il sait que quoi la mort, l'esprit de son va provoquer la mort dans la famille. Il dit ressusciter les morts. Si quelqu'un croit en vous, ramenez les morts en vie. Mais autrement dit, suivez mon exemple. Le pouvoir de la mort sera versé dans ta famille dans le sang de Jésus. La grâce de vie sera notre part. L'onction de vie sera notre part. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom de Jésus. Amen. Amen. De la Pentecôte qui sera libérée en ce lieu. Cette promesse du feu de la Pentecôte, parce que c'était ça, ceci a été une promesse de la part de Jésus. Il dit ne passez pas encore. Attendez pour recevoir ce que le Père a promis. Alléluia. Le Père a promis quelque chose. Le Père a promis son esprit. Le Père a promis son feu. Bien-aimé, Dieu n'a pas promis, alléluia, le mariage. Dieu n'a pas promis l'argent. Le mariage, l'enfantement, ce sont les conséquences de la gloire de Dieu qui sera sur ta vie. Amen. Alléluia. Pourquoi Dieu se laisse toujours fasciner ceux qui ont eu cette révélation? Quand il a rencontré, quand il a visité le roi Salomon dans la prison, il dit, demande-moi tout ce que tu veux. Alléluia. C'est l'histoire. Le roi Salomon n'a pas demandé de l'argent. Le roi Salomon n'a pas demandé, alléluia, une belle voiture. Le roi Salomon n'a pas demandé une belle femme, une grande maison. Il a dit, donne-moi un cœur. Donne-moi ton esprit en d'autres termes. Job a eu la révélation en réalité en l'homme, c'est le sang de Dieu. C'est le en réalité là. En réalité, c'est l'homme. En l'homme, c'est l'esprit. Alors quand le roi Salomon a demandé l'esprit, il dit, oh, où est-ce que ce petit a eu cette révélation? La Bible dit ce qu'il a demandé a plu. Alléluia. Ce qu'il a demandé a plu à Dieu. Pendant ces 50 jours, alléluia. Que tes requêtes, que Dieu se glorifie de toi. De quoi? Nous allons insister. Le défaut spirituel dans notre âme. Ton ministère va changer après ces 50 jours. Amen. Alléluia. Ta vie va changer après ces 50 jours. Maleka palando do bosu pala kozo do boshige dele maya mayan dele bre rezege dele mani kodo do bosege dele mane. Avant d'aller plus loin, y a-t-il quelqu'un ici que Calol Putain a dit tu as le sang qui manque. Le sang.
or you know, for some reason, Esther has raised hand. Dieu, maman Esther, maman Bête, dans le nom puissant de Jésus. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Papa, moi j'ai mal attendu ce que tu viens de dire. D'accord. Il y a un membre du sang dans ton organisme, un docteur. You know, le quelqu'un t'a dit, je sais. Le manque de sang. Jean, tu n'as pas le tout, le manque de sang. Oh. Oh. Tu veux dire anémie. Si quelqu'un anémie, voilà. Bon, une anémie, voilà. Une anémie, docteur. Odoro Boshi. Il y a Esther, il y a maman Bêta. Alléluia. Nous allons, ok. Nous allons prier. Ces deux cas. Nous allons prier pour toute personne concernée. Nous allons élever la voix. Nous allons demander une visitation de l'Éternel. Nous allons demander à ce que Dieu touche les enfants. Que Dieu fasse monter le niveau de sang. Que Dieu guérisse dans le nom de Jésus. Seigneur de gloire. Alléluia. Peuple de Dieu, allons tous élever la voix. Je crois au prière de la multitude. Déclarer, alléluia, un pourcentage de sang normal dans leur corps, dans le nom puissant de Jésus. Que la main de l'Éternel est visible. Que la main de l'Éternel est visible. La main de l'Éternel est visible. Que Dieu opère dans le nom puissant de Jésus. Maman Bêta, pour toi particulièrement, mets ta main sur ta tête. Mets ta main sur ta face. Mets ta main sur ta face au niveau de ton nez, au niveau de la main, je dis, dans le nom puissant de Jésus. Mandelebe. Dans le nom puissant de Jésus, je libère ta force de guérison maintenant, ta puissance. Je libère, oh mon Dieu, mon Dieu, que la guérison se fait maintenant. Alléluia. Seigneur, je prie pour ta fille. Je prie. Et je prie pour aussi pour que le sang au niveau de la vie, Seigneur. Père, ce miracle, tu opères. Nous selon ce miracle, de la vie. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Jésus a dit encore. Attendez pour recevoir ce que le Père a promis. Alléluia. Le Père a promis quelque chose. Le Père a promis son esprit. Alléluia. Le Père a promis son esprit. Et tous ensemble, nous allons prier. Alléluia. Tu vas élever ta voix pendant ces 50 jours. Ceci sera l'une des requêtes. Alléluia. L'une des requêtes sur laquelle nous allons nous attarder pour implorer Dieu, pour implorer la grâce de Dieu. Écoutez ce que Luc nous dit. Amen. Je vais même remonter à une longue lecture avec tout ceci introduit notre premier jour. Amen. Je peux lire? La Bible dit ceci. Il leur dit encore une longue lecture, mais il le faut. Voilà pour que nous comprenions. Alléluia. La Bible dit, il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, qu'il aille le trouver au milieu de la rue, qu'il dit, ami, prête-moi 3 pains. Alléluia. Car
un de mes amis est arrivé de voyage. Yeah, everybody, yeah. Voilà, some people on mute them. Ça peut nous aider. Ça peut aller, d'accord. Aku, can you just mute your Jabé? Voilà, si vous pouvez juste mute le phone. Ok, je vais vous aider, je vais le faire pour vous. Écoutez, cette lecture, ça va nous faire du bien. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Voilà, il vient de recevoir une invitation la nuit et il n'avait rien chez lui. Donc, vous savez que quelqu'un qui revient du voyage, très souvent, a toujours faim. Que ce soit par avion, que ce soit par voiture, que ce soit par à vélo, à pied. Quelqu'un qui rentre d'un voyage a toujours faim. For some reason. Amen. Alors, cette culture, nous allons garder quand nous recevons un autre. Non. Mute yourself back. Non. Ok, I'm going to mute you. Faut plus enlever ça, please. Parce qu'il y a de l'écho venant de toi. Qu'est-ce qu'il y a fait? Afou. Il a même bloqué. Quelqu'un vient en mute. Mute. C'est pas ce qu'il a fait. Akou, vous me recevez? D'accord, please. Donc, si nous recevons des invités, très souvent, nous avons cette culture, nous donnons à manger, nous préparons une table. Et malheureusement, à ce monsieur, il a reçu un invité au beau milieu de la nuit. Et il n'a rien à la maison pour offrir à son invité. Donc, il était forcé de sortir pour aller cogner à la porte du voisin. Ce voisin, aide-moi à sauver cette situation. J'ai reçu un invité et je n'ai rien à lui donner. Ok, lui a mis la sortie, mais ça va. Allez. Alors, il dit, et si de l'intérieur de sa chambre, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever, alléluia, pour te donner tes pains. Il dit au verset 8, je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se levera à cause de son importunité et lui donnera tout ce dont il a besoin. J'aime ce verset 8. Alléluia. Vous savez, tu es dans ta porte, je suis là, et puis j'attends, on frappe la porte. Je peux jouer au sourd, jusqu'à ce que peut-être j'attends que, prophète, tu es là, c'est ma Constance, je vais sauter. Prophète, tu es là, c'est ma Fabienne. Là, il sait que ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un de proche, c'est mon ami. Alléluia. Mais la Bible nous dit, même si l'ami refuse d'ouvrir, de venir ouvrir, parce que quoi, il y a certains amis là qui sont méchants. Même il sait que c'est toi. Hein? Il sait que c'est toi. Mais il dit, il va continuer de jouer au sourd. Alors la Bible dit, mais si tu continues, il se levera pour venir ouvrir la porte. Pas parce que vous êtes amis, mais à cause de parce que tu l'importunes à cause de ton importunité. Tandis de manière, la personne est couchée. Il se dit que tu dors. Mais toi, tu es à la porte, tu continues de frapper. Tu fais tous les bruits possibles pour dire, viens m'ouvrir. La personne finira par ouvrir cette porte pour toi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'arrive plus à supporter le bruit que tu causes. Alléluia. Vous savez, des fois, pour recevoir de Dieu, il faut importuner Dieu. Comprenez ceci. Jésus donne cette parabole pour nous enseigner quelque chose. Alléluia. On reçoit de Dieu des fois, parce que quoi? Tu es déterminé à ce Seigneur. C'est toi seul qui peux changer cette situation. Pas les fétiches, pas un nom, mais c'est toi seul qui peux me donner ton esprit. Amen. C'est cette persévérance très souvent que nous n'avons pas.
Nous n'avons pas, nous prions des fois, c'est bon. Nous jeûnons parfois des bons. Mais quelqu'un qui veut jeûner, prier pendant 5 jours, pendant 50 jours, la personne cherche quelque chose de Dieu. Et guess what? Dieu ne va pas t'oublier. Amen. Dieu ne va pas t'oublier. Alors, il dit, il s'élèvera à cause de son importunité, pas parce que vous êtes amis. Maintenant, comprenez pourquoi Jésus dit ceci. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Maintenant, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande du poisson, il lui donnera un serpent? Ou bien, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Le verset 13 maintenant. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père ne donnera-t-il pas son esprit à ceux qui le lui demandent? Bien-aimé, le Saint-Esprit, on demande à Dieu. On importune Dieu pour recevoir son esprit. Alléluia. Amen. C'est cette révélation que beaucoup n'ont pas. Quand nous devenons enfants de Dieu, Dieu nous donne une portion de son esprit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en lui. Il leur a donné le pouvoir de devenir son enfant. Alléluia. Quand tu deviens enfant de Dieu, Dieu te donne une portion de son esprit et tu es appelé désormais enfant de Dieu. Mais pour grandir avec Dieu, aller plus loin avec Dieu, il faut importuner Dieu pour recevoir son esprit. Amen. Il faut importuner Dieu. C'est là où vous allez écouter les hommes vont dire, j'ai jeûné 50 jours. J'ai jeûné 40 jours. Il faut des temps de sacrifice for God to trust you. Alléluia. Jésus est en train de faire une comparaison. Nous, les hommes, nous ne savons que donner du pain. Nous ne savons que donner du poisson. Nous ne savons que donner des œufs. À cause de l'amour qu'on a pour nos enfants. Vous savez, quand nous voulons mesurer l'amour humain se mesure entre la mère et son fils. Entre le père et son fils. Mais l'amour ultime, là, se mesure, l'amour d'une mère pour son fils. Ah, tu peux pas mesurer ceci. Une mère est prête pour donner sa vie pour ses enfants. C'est ainsi, un père peut se sacrifier pour trouver, pour donner à manger à ses enfants. Donc, malgré cet amour que nous manifestons envers nos enfants, Jésus trouve que quoi, nous sommes mauvais. Alléluia. Malgré ce standard d'amour que nous manifestons, Jésus trouve toujours que nous sommes mauvais. Maintenant, Jésus va plus loin en comparant les choses de la chair que nous avons données à nos enfants à l'esprit que Dieu veut donner à ceux qui auront la révélation. Il dit, à combien plus forte raison le Père ne donnera-t-il pas son esprit à ceux qui le lui demandent? Vous avez compris pourquoi la Bible dit, Dieu a aimé ce que le roi, le jeune Salomon, lui a demandé, quand il lui a demandé, donne-moi son esprit. Amen. Il y a une révélation derrière le fait d'avoir le Saint-Esprit et de marcher avec le Saint-Esprit. Tous, nous aimons Dieu, mais nous marquons la révélation du Saint-Esprit. Alléluia. Tous, nous aimons Dieu, mais nous manquons la révélation du Saint-Esprit. Nous aimons Jésus. Nous aimons le sacrifice, le prix qu'il a payé à la croix. Mais nous manquons cette révélation sur le Saint-Esprit. Vous savez, tous ceux qui ont eu la révélation sur le Saint-Esprit ont marqué leur génération.
Alléluia. David a péché contre Dieu. Dans le psaume 50, alléluia, il a dit à Dieu, Dieu voulait le frapper. Lisez le psaume 51. Dieu voulait le frapper. Il a confessé les péchés. Il dit à Dieu, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans le péché, que Dieu, tu es juste dans tes sentences. Tout ce que tu vas dire là-dessus, c'est vrai, j'ai péché contre toi. Mais dans le verset 13, il dit, Seigneur, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Hey, il dit, Seigneur, tu peux tout me prendre, mais ne me retire pas ton Esprit. David avait une révélation sur le Saint-Esprit. Dans ces 50 jours, je prie que le Saint-Esprit se révèle à toi. Amen, 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 amen. Que le ciel t'accorde une révélation sur le Saint-Esprit. Alléluia. David reconnaît ses péchés. Il dit ce que l'acte que j'ai commis là, c'est là où il a pris Bathsheba et il a fait tuer son mari. Vous voyez là, ce qu'il a commis comme péché, combien de fois c'est grave. Mais malgré ceci, quand il pleure à Dieu dans ses prières, il dit à Dieu, traite-moi de tout, fais de moi ce que tu veux, mais une seule chose que je demande, ne me retire pas ton Esprit. Ne me retire. Si Dieu retirait son Esprit sur lui, il est foutu. Si Dieu retirait son Esprit sur lui, il est devenu un homme mort. Si Dieu retirait son Esprit sur lui, il sait que quoi? Mon royaume n'existe plus. David avait la révélation de cet Esprit. Et guess what? C'est lui qui a communiqué cette révélation à son fils Salomon. Je ne sais pas si jamais un jour Dieu te visite. C'est pourquoi, parents, écoutez-moi, prenons du temps et enseignez la parole de Dieu à vos enfants. Enseignez-les comment ils doivent prier. David a communiqué ce secret à son fils Salomon. Alors quand Dieu l'a visité, il n'a pas cherché de choses. Il n'a pas cherché de l'argent. Mais il dit, Seigneur, si seulement tu peux me donner ton esprit. Il dit, le petit là, comment est-ce qu'il a eu cette révélation? Alléluia. Comment est-ce qu'il a eu cette révélation? Je prie dans le nom puissant de Jésus pour toi encore cette nuit. Alléluia. Pendant que l'Éternel va te visiter, que l'Éternel t'accorde son esprit. Dans ces 50 jours, vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi Paul nous recommande, il dit, soyez remplis du Saint-Esprit, remplissez-vous de l'Esprit, c'est mieux plus que autre chose. Alléluia. Remplissez-vous de l'Esprit, cherchez à marcher avec l'Esprit, demande à Dieu, remplis-moi de ton Esprit. Alors Jésus dit, à combien plus forte raison le Père me donnera prie à ceux qui le lui demandent. Nous allons prier. Nous allons élever la voix. Le verset est clair. Le verset n'a pas besoin de prier. Il dit, le Père donne son esprit à ceux qui le lui demandent. Alléluia. Et c'est la promesse que le Père fait. Alléluia. Nous allons élever la voix. Alléluia. Cette promesse de recevoir l'Esprit, alléluia, est aussi pour vous. Cette promesse de recevoir l'Esprit est aussi pour vos enfants dans le nom puissant de Jésus. Pendant 50 jours, nous allons chercher la face de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Nous allons désirer l'Esprit de Dieu. Nous allons désirer le feu de l'Esprit. Nous allons désirer l'Esprit de Dieu. Nous allons désirer ce que Dieu nous rend. Il est le bras de la main.
Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, je vais conclure avec le thème, le verset du jour. Amen. Zacharie 12, verset 8. Amen. Je vais lire jusqu'au verset 10. Comme ça, ça va nous aider à comprendre, mieux comprendre quelque chose. Il dit, en ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. Faible parmi eux sera en ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu. Nous allons revenir et nous allons prêcher là-dessus. Alléluia. Vous êtes des dieux. Jésus dit, n'est-il pas écrit dans votre Bible, dans votre livre que vous êtes des dieux? Le psalmiste dit, j'ai dit que vous êtes des dieux, mais vous tombez, vous mourrez comme tous les hommes. Alléluia. Ceci n'est pas ton partage dans le nom puissant. Un Dieu ne meurt pas. Un esprit ne meurt pas. Alléluia. Amen. Il dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Mais il y a un regret dans le cœur du psalmiste. Mais il dit, mais vous tombez, vous mourrez comme n'importe qui. La mort est dans votre maison. La mort est dans nos familles. Comme si notre race est différente. Alléluia. Les hommes ont vu Jésus opérer. Il dit, mais pourquoi vous êtes étonné? Mais vous aussi, vous pouvez le faire. N'est-il pas écrit que vous êtes des dieux? Ça, c'est la dimension de Dieu. Alléluia. Quelqu'un va trouver son identité après ces 50 jours dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le faible parmi eux. C'est-à-dire, si le faible sera comme David. Amen. David qui a tué Goliath. David a fait souvent 6 combats. Il n'a perdu aucun de eux. Amen. Alléluia. Amen. David était un homme de guerre. David était un homme de combat. Et que même si les lions, l'ours venaient attraper les bébés que je gardais, je courais derrière eux. Je les avais déchirés. Yes. Alléluia.
Voici le standard de David. David avait un combat avec un homme au nom de Goliath. On dit Goliath était un homme de guerre depuis son enfance. Mais ce qu'ils avaient oublié de David, David était un adorateur depuis son enfance. Alléluia. Goliath, c'est vrai, Goliath était un homme expérimenté, un homme de combat. Alléluia. Mais David et lui, de son côté, il était un adorateur ne rate pas le combat. Alléluia. Un adorateur ne choue pas. Un adorateur sait affronter les défis de sa vie. Vous savez, un adorateur ne recule pas devant l'eau. Soit l'eau se recule, il passe. Alléluia. Ou bien si ces lèvres-là, ils marchent sur l'eau. Alléluia. Demandez Moïse. Quand il s'est présenté devant la mer Rouge, seulement les mains élevées, alléluia, en signe d'un adorateur, quelqu'un qui veut adorer Dieu. Là, quand la mer a vu ceci, la mer s'est reculée, la mer s'est divisée en deux. Alléluia. Ah, Dieu va susciter des adorateurs au milieu de nous pendant ces 50 jours. Alléluia. Ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Oh, demandez Jésus. Quand Jésus s'est présenté devant la mer, il dit non, c'est trop compliqué. Il a juste choisi de marcher sur la mer. Tu marcheras sur la mer. Tu marcheras sur tes problèmes. Tu marcheras sur tes défis. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, il y a une croix nouvelle qui va te visiter. Il y a une nouvelle onction de miracle qui va descendre sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. Il y a un feu qui retient la vie au ministère dans le nom puissant de Jésus. Il y a une gloire qui va visiter ta maison dans le nom puissant de Jésus. David était un adorateur depuis son enfance. Amen, amen. David était un adorateur depuis son enfance. Alléluia. Vous savez, dans les combats, ce n'est pas l'expérience qui compte, mais c'est lui qui sait adorer son Créateur. Goliath était un homme depuis son enfance, mais il a fléchi les genoux devant celui qui sait adorer. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu, alléluia. Devant les situations, que tu puisses la voir, bénir et célébrer Dieu dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, il dit s'il y a un faible parmi nous. Alléluia. Je ne veux pas parler de Jérusalem, mais en ce temps-là, c'est aujourd'hui. C'est pour toi et pour moi. En ce temps-là, c'est maintenant, c'est pour toi et vivant. En ce temps-là, c'est pour toi qui es vivant maintenant. Alléluia. Ce ne serait pas pour toi, mais c'est de son vivant. Il dit, après cela, que l'Éternel protège ta maison. Que l'Éternel protège. Il dit, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. Si le faible parmi nous, après les 50 jours, il dit, il sera comparé à David. Quand tu lis la version New International Version, will be like the mighty David. Le faible parmi eux sera comme le puissant David. Et tout le reste de la maison de Juda sera des dieux. Alléluia. Alléluia. Je déclare que Dieu fasse de toi Dieu, Pharaon, alléluia, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Il a déclaré sur Moïse dans Exode 7, verset 1. Il dit, à compter que Dieu dit, je fais de toi Dieu pour Pharaon. Il y a une dimension supérieure que quelqu'un va expérimenter après ces jours dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Au verset 10, il dit, alors, je répondais sur la maison de David, alléluia, et sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Que Dieu réponde cette grâce. Et la grâce est un esprit que tu peux t'accorder. Amen. Et je répandais sur la maison de David, sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce, un esprit de supplication. L'esprit de supplication, c'est cet esprit qui t'appelle
qui crée la soif de Dieu pour toi, qui t'amène dans la présence de Dieu, où tu te donnes envie de prier, où tu es là pour supplier du Seigneur qui a besoin de toi. Alléluia. Que Dieu repense sur toi son esprit de supplication. Que Dieu repense sur toi son esprit de grâce. L'esprit de grâce qui ouvre. L'esprit de grâce qui ouvre tes connexions. Amen. Et, l'esprit de grâce qui va te faire rencontrer your destiny quelque part. Amen. Dans le nom du sang de Jésus. Merci, que le sang de l'agneau ouvre une vie ce soir. Alléluia. Amen. Nous ne sommes qu'à l'introduction. Il est 7 heures. Nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Alléluia. Et une fois encore, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans un temps de jeûne et prière. Tu as fait de ton mieux. Fais de ton mieux. Jeûne jusqu'à midi, jeûne jusqu'à 15 heures, jeûne à 17 heures avant de rentrer en ligne. L'éternel, vous savez, je vous pose une question, hein. Ce n'est pas pour insulter quelqu'un. Look at your life. How old are you? Et décide de consacrer 50 jours pour Dieu. J'ai pris le temps pour expliquer les 50 jours, ce que Dieu fait. 50 ans au jour de Pentecôte, Dieu a transformé leur vie. Et aujourd'hui, ils sont devenus une respire dans la Bible. Tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu, tout le monde parle d'eux. La génération après toi, le roi de toi. Alléluia. La génération après toi parlera de ton Dieu, de ton expérience avec Dieu. 50 jours, on sera ici cette année. Mais nous consacrons cette 50 jours pour parler de la Pentecôte, pour expérimenter le feu de la Pentecôte. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que la main de Dieu soit. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons reprendre demain. Alléluia. Maman Esther, maman, soyez bénie. Tu es béni. Amen, amen, amen. Tu as dit que sur ton partage. Amen, amen. Que ce feu soit sur toi. Amen, amen. Quand tu rentres dans mon alliance, amen. Amen, amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Oui, il y a des mains levées. Thomas Chantal, qui doit lever les mains? Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Amen. D'accord. Merci. Thomas Constant, soyez bénis. Soyez bénis. Amen. On se voit pour la nuit ou bien? Oui, on se voit. D'accord. Merci, maman Chantal. Oui. Pour y avoir aussi prière à minuit. Là, on se retrouve à minuit. Ok. À minuit. Là, sur le même lien, minuit, heure de New York. À tout à l'heure. Amen. Oui, à tout à l'heure. Voilà. Shalom. Shalom, 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 shalom. Amen, papa. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Reposez-vous bien. Bonne soirée. Bonsoir. Maman Carole, soyez bénie. Amen. Il y a un feu que l'Éternel va laisser dans ton champ. Mon directeur Antoine. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Amen, amen, maman. Amen, bah, tout à l'heure, bye bye. Pas ça. Le foro. Enfin,
D'accord. Aku, Mekéon. Aku. Aku via. Ok, sois béni, D'accord, tu es béni. Amen. Amen, yeah. Maman Carole, comment vous allez? Non, papa, on s'arrête qu'il faut le voir.